Shalom Uvracha, notre sujet, la terre d'Israël. Nous savons que la création du monde, l'une des raisons de cette création, c'est justement de dévoiler le Créateur dans sa création. Autrement dit, il s'agit là d'un reflet de celui qui se trouve à la source de la création, et ce reflet se projette, et ce projet divin se projette lui-même sur la création elle-même. Et donc, chaque élément de ce monde créé révèle une parcelle de l'infini béni soit-il, en tout cas de sa volonté, de son ratson. On ne peut pas parler de l'infini, on peut parler de son rapport avec la création. Et donc, chaque élément de cette création est en réalité un degré, et tous les degrés sont différents les uns des autres, mais tous ont un point commun. Tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, qu'il s'agisse du minéral, du végétal, des animaux, des hommes, de toute possibilité de conception que l'homme puisse avoir, hein, tout ceci, ce sont en réalité des révélations, des dévoilements à des degrés différents de la même unité divine qui est à la base. Et c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. En français, la sanctification du nom. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sanctifier l'infini, on peut sanctifier son dévoilement. Le dévoilement s'appelle, dans le langage de la Torah, son nom. De la même manière qu'on ne peut pas profaner l'Éternel, mais on peut profaner Chas v'Chalila, son nom, c'est-à-dire son dévoilement, son kavod, son assise, j'allais dire, sur le monde de la création. Et c'est pour ça que le prophète Isaïe, au chapitre 43, verset 7, nous dit « Kol hanikra, toute chose qui porte un nom, bishmi velichvodi berativ. » C'est pour mon nom et pour le poids que je représente dans ce monde que je l'ai créé. Autrement dit, toutes les créations, toute forme de création n'est là que pour révéler le nom, donc la direction, le sens même de cette création à partir de ce Créateur, béni soit-il. Et je ne l'ai pas seulement créé, dit l'Éternel, je continue le verset, Berativ, je l'ai créé, Yetzartiv, je l'ai façonné, je lui ai donné en réalité une Yetzira, une créativité, Afasitiv, et je l'ai aussi fait. Vous voyez que nous venons de traverser en fait le monde de Beria, le monde de Yetzira et le monde de Asiya. Autrement dit, lorsque l'infini béni soit-il, sa volonté est de créer le monde, il y a une dégradation pour arriver à la matière. Eh bien, la terre d'Israël, puisque c'est notre sujet, c'est la terre qui a révélé, pas les trois mondes que je viens de citer, mais quelque chose qui est encore beaucoup plus élevé, ce qu'on appelle dans le langage des kabbalistes le premier monde, le monde de Hatzilut. Et donc, il y a ici Hatzilut, qui est la sagesse divine, par définition, le premier monde, le premier filtre, et après seulement viennent Beria, Yetzira et Asiya. Or, si Akadosh Baruch Hu crée le monde par le premier degré qui s'appelle Bara, donc Beria, Bereshit, Bara, Elohim et Hashamaim ve et Haaretz. Autrement dit, il y a quelque chose de supérieur à Beria qui est Yetzira. Et là-bas se trouve le secret de la terre d'Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais tout simplement que la pensée divine pour créer ce monde a eu comme modèle la terre d'Israël qui, elle, se trouve au-delà des trois mondes inférieurs dans le monde de Hatzilut. Ce qui nous met face à une terre qui est complètement
intérieure qui est complètement de l'ordre du secret et de la neshama de la matière. Toda Rabbah.